fait, la grosse difficulté qu'on avait au niveau départemental, c'était identifier les zones blanches, les zones où il y avait 10 difficultés à accéder à Internet sur mobile. Donc, on avait le droit à des cartes opérateurs, souvent théoriques, à des cartes ARCEP très théoriques. Donc, l'objectif, c'était d'objectiver ça en permettant à chaque habitant, chaque élu, de faire une mesure de la qualité réelle de son réseau et ensuite pouvoir faire remonter ça dans les différentes commissions pour améliorer le réseau. Alors, une démarche est double. Déjà, Open Data, où on va remettre à disposition de l'ARCEP, donc pour alimenter monréseaumobile.fr, puisqu'aujourd'hui, c'est des cartes théoriques et il y a uniquement des mesures réelles sur les axes de transport importants, donc route et train. Et le deuxième objectif, ça va être dans les différents comités départementaux où on va identifier les zones blanches pour pouvoir dire réellement là on a une problématique et il faut que les opérateurs puissent régler cette problématique. Donc on a vraiment un double aspect. Et ça permet aussi d'avoir une meilleure connaissance du terrain et pas juste d'avoir une remontée de ceux qui savent actionner les différents leviers politiques pour indiquer qu'il y a un souci.